3 manières de maigrir avec l'artichaut. Il est toujours difficile de perdre du poids. Au lieu de suivre des régimes restrictifs qui favorisent l'effet yo-yo, il est plus judicieux de changer certaines habitudes et veiller à manger mieux. En aucun cas, il ne faut s'affamer ou sauter un repas. Il est possible de mincir en se faisant plaisir grâce à l'artichaut. Cet aliment a des propriétés médicinales bénéfiques aussi bien pour la peau que pour la santé. Les bienfaits de l'artichaut. Ce légume est un diurétique qui accélère le métabolisme. C'est un des aliments les plus dépuratifs qui existent. La richesse de l'artichaut en cinarine, un composé qui stimule la production de la bile, permet d'avoir une bonne digestion, d'épure et draine le corps. Elle lutte également contre la rétention d'eau. La consommation de l'artichaut facilite la digestion des graisses. Autrement dit, il les détruit en les synthétisant d'une manière qui facilite leur élimination. Si vous voulez perdre du poids, mangez mieux et varié. Ne consommez jamais que de l'artichaut pour mincir. Certes, il est riche en fibres et minéraux comme le calcium, phosphore, potassium, magnésium, vitamine B1 et fer. Mais, il n'apporte pas le reste des nutriments nécessaires dans une alimentation équilibrée. L'artichaut peut être consommé en complément pour perdre du poids. Voici 3 recettes différentes à base d'artichaut. Elles sont savoureuses et vous aideront à vous débarrasser des kilos superflus. Le thé à l'artichaut. Faites cuire les artichauts dans l'eau. Récupérez l'eau de cuisson et la mettre au réfrigérateur pour bien la refroidir. Ajoutez ensuite le jus du citron et buvez une tasse de cette boisson avant chaque repas. Ce remède simple et facile aide à perdre du poids. Vous pouvez consommer les artichauts cuits en entrée en y ajoutant une vinaigrette à base d'huile d'olive et de vinaigre de cidre. Sinon, ils sont aussi bons nature. Un smoothie qui facilite la perte de poids. Un artichaut bien mou, cuit à l'eau. Un verre d'eau de cuisson de l'artichaut. Mélangez l'artichaut, l'ananas, les amandes et l'eau de cuisson de l'artichaut puis mixez. Ensuite, ajoutez le jus d'un demi-citron. Le jus obtenu doit être homogène. Le mélange de ces ingrédients peut paraître bizarre mais le smoothie a un goût savoureux. Un des ingrédients de cette boisson est l'ananas, connu pour ses vertus dépuratives. Associé au citron et à l'artichaut, son pouvoir se trouve décuplé. Ce jus apporte du magnésium, contenu dans les amandes renforce les os et les muscles et procure de l'énergie. C'est pourquoi, il est préférable de le boire le matin. Une boisson pour accélérer le métabolisme. Un artichaut cuit à l'eau. Un demi-verre d'eau de cuisson de l'artichaut. Une pincée de piment rouge, de préférence du piment de Cayenne. Une pincée de gingembre. Réservez le légume cuit et l'eau de cuisson. Ajoutez une pincée de piment de Cayenne et une pincée de gingembre à un demi-verre de cette eau. Portez le mélange à ébullition, puis laissez reposer. Une fois refroidi, mixez le tout jusqu'à obtention d'une texture homogène. Ce jus peut être pris 3 fois par semaine, au dîner. Ses effets sur le poids commencent à se voir dès la 3e semaine. Les vertus médicinales de l'artichaut combinées au pouvoir du gingembre et du piment, celui-ci est un accélérateur du métabolisme font de ce jus une boisson idéale pour perdre les kilos superflus.